Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro je ne sais combien qui doit être le 6 de notre aventure sur Assassin's Creed 2. Et après plusieurs mois d'interruption, une nouvelle fois pour pas changer, eh bien nous nous retrouvons ici, à l'intérieur de la villa de Monteligioni. Et nous allons tout simplement continuer l'histoire. Et oui, j'avais envie de faire des vidéos donc je le refais. Parfois ça me prend comme une envie de pisser, donc j'en fais, quand j'ai pas envie, bah, je n'en fais pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire ici? Parce qu'on avait fait le combat didacticiel, on avait tué l'autre trou de balle. On va parler à notre oncle, il me semble. Ah non. Ah bah si. Ok, donc bah du coup, c'est comme si tout était réglé, que plus aucun problème ne viendrait atteindre cette ville ou même l'Italie. Mais bon, ça se passe pas comme ça, je suis désolé de vous l'apprendre. Donc, oui, les femmes! Non, je déconne, excusez-moi. On est des hommes, donc voilà. Non, bien évidemment, je déconne. Donc là, on va tout simplement cliquer. Oui, parce que maintenant, moi, je clique sur mes boutons sur PS3, c'est has-been d'appuyer. Hein. Non, bien évidemment, on continue, je ferme ma gueule. Hein, parce que je parle trop, en fait. Espagnoles. Attendez, je vous montre juste la biographie de notre cher oncle Mario, qui mine de rien est affreusement sexy. Oui, là je viens de dire deux mots qui sont totalement opposés, mais c'est pas grave, c'est l'effet griffe, c'est des griffes très belles. Donc bon, allez, on est reparti dans le dialogue. Donc là il vient de dire tout simplement le chef des Borgia, voilà. Celui qui va être au cœur de l'histoire et qui va être, ouais, grosso modo, notre ennemi numéro 1. On va pas se mentir. Et qu'on démonte bien à la fin, d'ailleurs. La Villa Auditore, youhou! Je montre! Oh, il y a du texte, hein! Ah mais c'est tellement kiffant de rejouer Assassin's Creed, et là je vous donne le tournis. Bref. Oh la vache, ça me rappelle quand j'avais commencé le jeu, quand je ne connaissais pas du tout à partir du 2, c'est géant quoi. Enfin... Merde. Putain. C'était quoi déjà? C'était inventaire. Armure, tenue, objet. Ça a dû être... Non. Base de données peut-être? Entrée récente. Non. Document. Codex. Lettre. Espèce de traître.
Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites-moi. Non, c'est par au-dessus. Putain, mais le changement de lumière qu'il y a quand tu rentres et quand tu sors, c'est... T'as l'impression que l'air est pollué, en fait. Ça fait peur. Ah, franchement, ouais. Salut! C'est moi! Bon alors, qu'est-ce que t'as à me dire maintenant? Parlez. Bien évidemment, nous parlons de la pomme d'Éden. Alors, atteignez le point d'observation de la villa. Donc, le point d'observation se trouve juste sur le toit, je crois. Ah, par contre, faut vraiment que je me refasse aux commandes parce que j'ai joué à plein de jeux depuis et les commandes sont pas du tout les mêmes. Non, ok, on peut pas passer par là. Et si je passe par là? Non, évidemment, on ne peut pas. Vous savez quoi? On va passer par devant. Est-ce que je peux. Non, attendez, on va faire un truc. Cours par là. Voilà, saute comme un ninja. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas du tout si je peux escalader cette façade. Attendez. Ah bah parfait. Bon. Génial. Alors, on va monter tout en haut. Parce que bientôt, on descendra et on montera. Plein de fois. Enfin, grosso modo, on montera énormément de fois pour les points d'observation. Et on descendra souvent dans les souterrains, je crois, il me semble. J'en ai plus trop... Enfin, j'ai quelques souvenirs comme quoi on est... à un moment donné, on avait le choix de descendre assez bas, sous terre. Enfin, j'aimais bien. Même que parfois, c'était assez glauque. Mais bon. Donc, la page du codex. Comment on fait déjà pour la vision d'aigle? Ah merde, je m'en souviens plus. Eh, j'ai 7. Youpi. Donc là, je crois qu'il faut trouver les 4 pages du codex qui sont cachées dans... Comment dire, dans la villa Monteligioni. Et heureusement, elles sont symbolisées par la carte, parce que, bordel, je ne sais plus comment fait la vision d'aigle, donc bon, c'est triangle, ok, bon. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, il n'y a pas de témoin, j'ai rien dit. Voilà. Là, on en trouvait 3 autres. Ah, mais on a une plume, OMG. Une plume. Ah oui, elle est juste en haut, je suis con. Non, attends, oui. Voilà. Ah, c'est affreux comme je suis plus du tout habitué aux commandes, c'est horrible. Putain, le mec il grimpe comme ça, mais. La classe, franchement. Ah, mais elle est où la plume en fait? Elle est sous terre! Attendez. Ah, attends. On se met bien en face. Voilà. Parce que c'est drôle, hein, franchement. Ma merde, elle est où la plume? Pourtant, je sais qu'elle est par là. Oh là, il y a le soleil qui m'éblouit. Hein. Bon, bref, tant pis. Donc là, on doit trouver les pages du codex. Donc attendez. Déjà, là. Avis. Un pigeon. Non, c'est pas un pigeon, si. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, Pluton. Ah, c'est les statues. Mais je suis con, c'est vrai. Faut récupérer les statues aussi pour une énigme qu'il y a tout autour de la villa. Ah, je suis bête. Putain. En plus, le truc, j'avais réussi à le déchiffrer une fois, je crois. Ou il me manquait une statuette, je sais plus. Ok, une autre page du codex.
Yep là. Voilà. Et de deux. Ou alors peut-être pas. Non. J'ai rien dit. L'autre est pas loin en fait. Elle est juste à côté. Enfin, pour moi, c'est à côté. Bon, mine de rien, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Hein? Après cette pause indéterminée de malade mental. J'espère que ça va. Bon, je sais, il y en a plein qui se disaient OMG, tu commentes plus, OMG, tu mets du LOL, OMG, il y a plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe, t'es mort ou t'as une vie ou bah oui, j'ai une vie, non, je suis pas mort. Non, mais il y a un moment, ça blasait quoi. Enfin, j'ai dit que je revenais, mais à mon rythme aussi. Parce que j'ai dit que je revenais, je suis revenu, mais je postais des trucs pas forcément attirants pour tout le public que j'ai. Enfin, déjà, qui est très restreint. Donc bon, voilà. Donc là, ça va être le retour de Assassin's Creed 2, et cette fois, c'est pour de bon. Ça, c'est... Je l'ai dit, je le ferai. Encore une statuette. Ta gueule, toi, c'est ma prouesse, c'est pas la tienne. Lol, j'agresse les gens, moi, je suis comme ça. Il y a un truc rouge, hein, ouais. Et ça s'appelle... Une lumière. Bien étrange. Super. Bon alors... On va aller faire un tour là-haut, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va nous attirer. Oh, la lumière! La lumière rouge! Ouais. Donc là, vous avez un code barre, donc c'est le code barre de la maison. Donc on va essayer de trouver le magasin dans lequel elle a été achetée. Voilà, non, je déconne. Évidemment, je déconne, voilà. On sait jamais, hein. Il y a peut-être qu'ils me prennent au sérieux. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, qui prennent toujours au sérieux ce que je dis, enfin, le nombre de merde que je débite par jour. Enfin, je sais pas, moi. Peut-être, hein. Qui a dit ça? Manifeste-toi! Je vais te péta! Voilà! Et Dieu ne tuez pas les citoyens! M'en fiche! Toi aussi t'en veux? Non, c'est bon. Non, parce qu'en fait, à partir de 2, je crois qu'on a. Enfin, c'est pas qu'on a game over, mais on doit recommencer. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Comme par hasard, quand je joue, la batterie est faible, mais quand je joue pas. Oh là là. Surtout que je joue à la PS3 tous les 36 du mois en ce moment, donc c'est génial. Là, je recommence un petit peu et je mine de rien. Ouais. Voilà. Hop. Ah, mais ça fait tellement plaisir de rejouer à ce foutu jeu. Oh là 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 là. Bon, après, il y a un truc qui me fait chier. C'est que c'est pas la même expérience de jeu quand tu commentes et quand tu commentes pas et que tu joues dans ton coin. Parce qu'en fait, quand tu joues vraiment dans ton coin, t'es focalisé à fond sur l'histoire, à fond sur le jeu. Alors que quand tu commentes, bah, t'es souvent distrait par soit la merde que tu dis, soit la merde que tu fais. Ou alors t'essaies d'expliquer et du coup tu sais ce qu'il faut faire mais t'y prêtes pas trop attention. Et c'est pas la même expérience de jeu, même si moi ça ne m'embête pas, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, le 1, le 2, etc. Je vais me les refaire, le 1 je l'ai refait après avoir fait mon let's play je crois. Et bah, ça, je m'en lasse pas, honnêtement je ne m'en lasse pas du tout. Encore une statuette. Je crois qu'il y en a 6 ou 8 en tout. Il me semble. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même expérience de jeu, j'ai envie de dire. Bon. Ouais. Il faudrait que je trouve la dernière page. Si la caméra était de faire de la merde, ça m'arrangerait fortement. Oula. Vous avez vu, je suis toujours aussi timbré, hein. Ça, on change pas une équipe qui gagne, hein. Non, par contre, si tu la fermes pas, je vais te casser ta bouche. Bah merde, la dernière page du codex. Where are you, please? I need to find you, because I am nothing without you. Oui, my English accent is very, very OP. Alors... Oui, puis moi, j'aime bien courir sur les tuiles, c'est rigolo, ça fait touc, 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 touc. Alors, cet épisode, il sortira quand? Aucune idée, tu vois. Non, il sortira sous peu, hein, y a pas de soucis pour ça. Hey, une statuette là! Hey, reviens ici! Hey, je vais te bouffer! Hop là. T'as dit quoi, toi? Bah, tiens, pour la peine, mange ma godasse! Grazie! Bah, ok, d'accord. Si t'aimes bien bouffer les godasses, je peux t'en donner, hein. Merde, tout ce que j'entends, c'est un bruit de mouche. Le truc dont j'en ai totalement rien à cirer, c'est un truc de ouf. Ah ah ah, peut-être ici. Non, il y a un monsieur. Putain, c'est quand même bizarre que j'arrive pas à trouver des pages de codex, quoi. C'est le genre de truc... Oh putain, je me suis pas loupé. C'est le genre de truc hyper facile, je sais pas. Non. Bon, ok, encore une statue. Monte! T'es pas sérieux, là, que je peux pas monter?
Oh, le troll. Hein? Là, j'aime bien. Mais laisse-moi monter. Mais. Voilà. Maintenant, Ezio, descends. Ouais. Oui, bon, on fait un peu le tour aussi parce que c'est sympa de faire le tour. Bon, là, ce n'est pas un codex, enfin une page de codex. Oui, merci pour le succès, je sais. Le trophée, pardon. Voilà. Alors là, on va essayer de trouver la dernière fois. What? T'es sérieux que t'as escaladé comme moi, toi? Ok, bon. Copain. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc le retour définitif de Assassin's Creed 2. Il y aura un nouveau Let's Play aussi qui va arriver. Qui est sur PS3. Comment ça s'appelle? Poké Park 2, on le fera un petit peu plus tard, pas tout de suite. Parce que j'ai envie de jeux d'action et d'aventure en ce moment. J'ai pas envie de. Ouais, oh, je saurais pas. Enfin, ceci, c'est de l'aventure un petit peu, Poké Park. Mais c'est plus du mini-jeu en fait. Et en ce moment, je n'ai pas trop envie de jouer à ce genre de jeu. Enfin, c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai pas envie de le filmer, quoi. Si je veux y jouer, j'y jouerai dans mon coin, et puis je vous partagerai le truc après, et puis basta! Mais là, actuellement, oui, je n'en ai pas envie. Mange un coup, mon grand! Tu auras plein de vitalité! Bon, par contre, je commence à m'éterniser, ça commence à devenir chiant, là. Ouais, bah saute, crie si tu veux, personne ne t'entendra. On est où ce putain de coffre de mes couilles? Oui, je sais, je suis un poète dans l'âme, je suis né pour faire de la poésie. Ça s'entend pas? Mais où ce foutu coffre? Et on va passer une demi-heure à le chercher, alors que le truc, c'était plié en deux temps, trois mouvements, quoi. C'est quand même aberrant, vous voyez? Bon. Ah. Il y a quelque chose qui brille là-bas. Allons y faire un tour. Alors, ouais, du coup, ça nous permet de visiter un petit peu, et c'est une statue, merde. Je crois. Ouais, écoute-moi bien, Mioumed. Bah non, ouais. Attendez, on va fouiller par là. Ah, oh, c'est beau quand même. Oh là, pourquoi t'as sauté comme ça, toi? Une envie de suicide, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu as des problèmes dans la vie. Oh, wait. Ouais, bah moi je m'amuse à escalader. Ah, peut-être ici en fait. Non, c'est pas là. Parce que sinon, en fait, il y aurait la page du codex sur la carte. Non, mais en fait, je suis con parce que j'ai juste à faire select, regarder sur la carte et c'est bon. Mais moi je m'amuse à visiter en fait. À revisiter plutôt, excusez-moi. Parce que j'adore Assassin's Creed 2, ah, comme Brotherhood, ça rappelle des souvenirs de ouf, j'adorais, bordel. Bon, ça y est quoi. Le mec qui ne tient pas ses engagements. Ah bah, c'est pour ça que je pouvais toujours chercher, en fait. Eh, la page du codex, elle est hors dehors de la villa. Eh, ouais. Bon. Du coup, on va faire un peu de cheval. On va faire du poney. Non, je déconne, c'est des chevaux. Faire du poney, mais on n'est pas arrivé avant jamais. Et oui, alors par contre, la sortie elle est à droite ou à gauche? Ouais, je vais te soigner ton oignon aussi, c'est gentil, mais non, je veux pas. Ah putain, c'était de l'autre côté là. Bon. Donc ouais, le prochain Let's Play sera sur PS3, celui qui sera en parallèle avec Assassin's Creed 2. Tenez-moi un cheval! Parce que oui, le Seigneur des Anneaux, je le continue, mais de temps en temps. En fait, c'est que le Seigneur des Anneaux, excusez-moi, je vais tourner un maximum de fois en avance afin de vous proposer du contenu régulier et soigné. Bon, soigné, je garantis pas. Connaissez à force, mais surtout régulier, quoi, parce que une vidéo par semaine, bof, pour ceux qui voudraient voir autre chose que du LOL, c'est bof. Descends, merde, c'est pas triangle, c'est cercle. Super. Ah, te voilà, je t'ai cherché pendant des lunes et des lunes, maintenant tu es à moi. Et on prend celui-là et on laisse l'autre.
Ah oui, c'est vrai qu'on a plein de petits bonus comme ça. Hey, hey. On a plein de petits bonus comme ça, qui sont vraiment sympas. Par exemple, santé augmentée, des nouvelles armes ou ce genre de choses. C'est plaisant. Ok, séquence 3 terminée. Maintenant, on va voir Claudia. Au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, amène la bouffe. Lol. Sort. Youhou. Bon, alors... Non, on va pas aller poser les statuettes tout de suite, parce que... Je pense que nous avons perdu suffisamment de temps. Fermez vos gueules. Voilà, à ceux qui trouveraient mes articles trop chers, vos gueules. Je suis le seul vendeur ici, alors tu prends et tu fermes ta gueule. Bon, écoutez, je vais vous laisser maintenant, puisqu'on a tourné rond pendant 20 minutes. Et je voudrais faire des épisodes de 20 minutes, vous me connaissez, ou même 15, on verra bien. Je réfléchirai à ça selon l'envie du moment. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au prochain épisode. Et ça me fait vraiment plaisir de reprendre l'aventure. Et j'espère pour vous aussi que ça vous change du League of LOL. Allez, salut !